nous allons démontrer comment installer des plinthes dans votre domicile avec un minimum de clous et de vis à l'aide de Lepage No Mourners Adhésif Bouche-Trou qui contient la technologie Instant Grab de Lepage. Lors de l'application, la température du produit, des surfaces et de la zone de travail doit être supérieure à 10 degrés Celsius. Assurez-vous que les surfaces à coller sont propres, sèches et solides. Au moins une des surfaces doit être poreuse. Pour bien se coller, les surfaces doivent être planes pour offrir une surface de contact suffisante. Les surfaces peintes doivent être sèches et sans écaillures. Pour augmenter l'adhérence, poncez les surfaces brillantes jusqu'à obtenir un fini mat. Retirez le capuchon. Coupez l'embout de la cartouche à un angle de 45 degrés à la grosseur de cordon désiré. Pour installer des plinthes, appliquez un cordon d'adhésif au dos du matériau. Pressez la plinthe fermement contre le mur. Utilisez des clous de finition, surtout pour les matériaux qui peuvent se déformer, comme le plaquage de bois mince. Pour les matériaux lourds, mettre quelques clous de renforcement et des pinces de serrage pendant 24 heures ou jusqu'à séchage complet. Placez au moins une attache mécanique tous les 1,20 m ou 4 pieds. Remplissez les trous de vis avec du Lepage Polyfila Instant. Une fois sec, poncez au besoin avec du papier de verre fin. Nettoyez immédiatement les outils et les résidus d'adhésif non durci avec de l'eau chaude et du savon. L'adhésif durci peut être enlevé avec soin avec un outil tranchant. Lepage No More Nails et No More Nails Ultra peut être utilisé pour des projets de construction intérieure comme l'installation de moulures décoratives, par exemple des cimaises, des lambrissages, des plinthes, des moulures couronnées, des médaillons de plafond et d'autres projets de bricolage. Lepage. Bâtir la confiance.